Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un petit speedrun, enfin un mini-run, sur Bloodstained Curse of the Moon. Alors voilà, un petit boss rush comme ça, tranquille à la bonne franquette. Donc j'avais la flemme de faire une intro pendant une minute, hein, moi ça part direct. Donc là voilà, directement le premier boss, qui fait très... Enfin, c'est un peu la machine qui alimente la locomotive. Ce boss est assez stylé. Je parle très bien la France. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, et bien, il faut à chaque fois le toucher à 5 hits au mieux. On peut le toucher à 5 hits avec Zangetsu. Zangetsu qui est le personnage principal. Qui est celui qui manie l'épée comme personne. Et non le fouet, mais j'utilise beaucoup aussi l'autre personnage. Alors je ne sais plus son nom par contre. Ça sera le personnage principal de Bloodstained. C'est compliqué à lire. Hein. Castlevania c'est plus simple. Bloodstained. L'autre après Curse of the Moon. Hein, je sais plus le nom exact, mais je l'attends de pied ferme seul. Attention. C'est moi en tant que fan de Castlevania, là c'est le même créateur que les premiers Castlevania qui est aux commandes de ce petit bijou. Et donc là ce jeu là, en fait, ce jeu 8 bits nous montre un peu un avant-goût de ce qu'il va y avoir dans le vrai Bloodstained entre guillemets. Même si ce petit jeu est quand même fort sympathique. Et j'ai envie de le speedrun. La preuve, speedrun sur un boss rush. Bref voilà, Je vais pas m'égarer sur le sujet parce que bon, il y aura sans doute un vidéo test sur ce jeu là. Donc voilà le deuxième boss là. Voilà, je garde toujours le même personnage, le personnage au fouet. Là je reprends Zangetsu. Alors c'est pas du tout du direct, hein, j'ai déjà tourné la vidéo avant. Hein. Ça doit se voir. Sinon je joue pas aussi bien moi. Enfin, je commenterai pas en même temps que... Enfin, commenter et speedrunner en même temps, c'est compliqué. En tout cas, voilà, je spam les coups de fouet. Quand il allait commencer sa deuxième phase, mais il a pas eu le temps de le faire. Et ça, c'est bon. Voilà, là, je saute comme un mongol, alors pourquoi? Et pourquoi aussi j'ai changé de personnage? Alors, tout simplement parce que je saute comme un mongol pour attirer l'adversaire. Pour qu'il puisse attaquer vers le haut et non vers le bas, parce que c'est compliqué de l'esquiver en sautant. Il faut avoir un timing parfait, et la plupart du temps je me viandais. Et donc le plus simple à faire, voilà, c'est de sauter comme un con, comme ça il serait... comme ça on a un peu plus de chance de l'esquiver. On a un peu plus de chance qu'il attaque vers le haut. Comme ça je peux juste me baisser après et hop, il me touche pas. Mais s'il me touche, voilà, au cas où, je prends le papy Mougeot, voilà, le vieux personnage, le vieux Gandalf. Car je sais que lui, bon, il ne met pas trop d'une aide, il met pas trop d'une aide précieuse, voilà, pas très utile. Donc c'est pas grave si je perds de la vie avec lui. En gros c'est ça, c'est un peu le boulet du groupe. Donc voilà, il y a 4 personnages en tout, hein. Il y a un personnage qui est plus classique là, qui manie l'épée, voilà, Zangetsu, qui a diverses armes secondaires comme chaque personnage. Bon, j'ai la flemme de tout dire là-dessus, à ce sujet. Nous sommes plus dans un boss rush, un petit speedrun comme ça, vite fait. Petit speedrun des boss, parce que bon, c'est pas très difficile de speedrunner les boss, hein, je l'avoue. Ça sera bien plus compliqué quand ça sera le jeu en lui-même. En tout cas, voilà, j'aime bien toujours faire le con. De bouger au rythme de la musique un petit peu. En rythme avec la musique. Par moment, quand je m'ennuie, quand le boss est trop long avec ses patterns. Et donc voilà, je reprends encore le papy Mougeot, hein, pour prendre moins de risques. Et sinon... alors pourquoi le boss est mort comme ça soudainement? Alors que je lui ai pas tapé à la tête à la fin. Tout simplement parce que quand on tape les pièces, ça lui fait quelques dégâts. Alors pas énormément de dégâts, mais ça lui fait un peu de dégâts.
beaucoup moins que si on le tape à la tête. Alors voilà, j'ai pas du tout dit, mais j'ai pas du tout expliqué, il y a tellement de choses à expliquer. C'est qu'on a un up central à chaque fois entre chaque boss qu'on bute. On a un up central, et c'est là où on peut se... comment dire, c'est là où on se stuff. C'est là où on choisit notre équipement pour le prochain boss. Et le problème, c'est que les différentes armes qu'on a à notre disposition, eh ben, on peut les utiliser qu'une fois. On peut les utiliser que lors d'un affrontement, lors d'un certain boss. Voilà, on peut l'utiliser que contre un boss. Donc il faut savoir choisir méthodiquement quel objet secondaire on va utiliser, quelle arme secondaire on va choper. Donc là, par exemple, j'ai chopé la hache, parce que celle-là fait masse de dégâts, et je sais que la deuxième phase de ce boss est très très longue. C'est un sac à PV, donc voilà, c'est beaucoup plus rapide de faire ainsi. Et surtout, il est très facile à toucher ce boss-là, donc voilà, raison de plus que d'utiliser cette arme, car elle est très longue. Enfin, les attaques sont très 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 lentes de cette arme. Mais elles sont extrêmement puissantes. C'est l'arme la plus puissante du jeu. Mais bref, voilà. Alors, le Parpi Mougeot, il prend l'éclair. Alors, qu'est-ce que c'est comme arme? Bah, ça, c'est une arme assez cheatée. Donc là, pour la première fois, j'ai repris Alucard. Donc bon, c'est pas Alucard, mais je sais plus son nom, donc on s'en fiche. De toute façon, c'est Alucard. Hein. C'est juste qu'ils ont pas eu les droits. Du coup, ils appellent ça Boost and Need. Et ils changent les noms des persos, voilà. C'est un peu ça, hein. Je sais même pas quelle entreprise c'est là, je sais plus. Ça c'était marqué au début en plus. Okay. Quelle entreprise fait ce jeu? En tout cas, c'est des anciens de Konami. Hein. Mais bon, vu que maintenant ils appartiennent plus à Konami, donc Konami ils n'ont plus. Enfin, ils ont toujours la licence Castlevania, mais ils n'ont plus ceux qui faisaient briller cette licence. Ah, maintenant ça va être que des beat'em all bas de plafond. En gros, c'est ça. Et pas de vrai Castlevania 2D comme ça, à l'ancienne. Et très jouissif, et souvent de la plateforme action. Ce qui faisait le charme de la série. Alors là je réfléchis. C'est vrai que c'est pas un speedrun parfait. Il y a des moments où il y a des petits doutes. D'ailleurs, là c'est. Ça n'a pas servi à grand chose finalement ce que j'ai fait, parce que je vais utiliser que le fouet de Zangetsu. Car oui, Zangetsu n'a pas qu'une épée, il a un fouet en tant qu'arme secondaire aussi. Il y a plusieurs armes secondaires, il y en a 3 par personnage il me semble. Voilà, il a l'eau bénite, le fouet, hein, oui bah c'est clairement l'eau bénite, hein, l'espèce de papier qui balance par terre, qui brûle. Alors c'est une arme un peu à la ninja, j'ai envie de dire. Il faut savoir que Zangetsu, si j'ai bien compris, c'est un peu comme Soma Cruz, hein, qui a un petit côté Dracula. Bah, Zangetsu, lui, il a un peu du sang de démon. Voilà. Alors voilà, après, je ne connais pas plus au niveau de l'histoire. Bon, ça va pas être folichon non plus, ni au niveau de l'histoire. Même si ça peut être sympa, car le Bloomstein, enfin le vrai Blondestade, alors c'est compliqué à dire, enfin le vrai Castlevania, eh bien, le protagoniste, enfin le méchant de l'histoire, ce serait peut-être Zangetsu, peut-être. Un petit peu comme Soma Cruz dans Castlevania, qui est à la base un gentil, mais qui peut devenir méchant. Sous certaines conditions. Après, on pouvait un peu choisir la fin qu'on voulait, hein, donc. Et bon, si on choisissait d'abord la bonne fin, et qu'il était gentil, et ben on n'avait pas le droit à un dernier niveau stylé. C'est ça qui faisait le charme de Castlevania aussi. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais choisir, là? Parce que là, je parle, c'est quel boss déjà? Ah oui, je sais. Je prends rien, donc je sais quel boss c'est. Voilà, ce boss-là est pas très dur. J'utilise pratiquement que Zangetsu. Il me semble que même j'ai utilisé que Zangetsu.
Parce qu'il a des patterns assez simples, quand on les maîtrise évidemment. Quand on comprend... Bah là j'aurais pu le toucher par exemple quand même directement. J'ai fait un petit fail au début. Il faut savoir que lui, voilà, ce boss là, c'est assez particulier. Il faut, quand il balance ces espèces de verres là, en pointe, eh ben, il faut tout simplement venir vers lui. Voilà, il faut se rapprocher de lui. Parce que de toute façon, il balance toujours ses verres vers le haut. Et donc, comme ça, il... ses verres, entre guillemets, voilà, auront du mal à nous toucher. Alors, c'est compliqué. Alors, je sais pas ce que c'est, donc c'est compliqué à expliquer. Bon, là, il est quasiment mort. Hein. Il est pas très dur, celui-là. Hein. Il est vraiment pas très dur. Quand on comprend le bousin. Ah, faire gaffe aussi, quand il descend comme ça, il a une énorme hitbox. Donc, c'est pour ça que je m'éloigne pas mal. Pour pas me faire toucher, forcément. Hop, et là, faut juste descendre tranquillement. Je trouve vachement stylé Zanketsu quand il range son arme, ses animations, et puis le style. Ouais, mais différents personnages je trouve pas mal. Après j'avoue que l'héroïne là, qu'on va contrôler, qui est en fait... c'est elle là, avec son fouet là. C'est le personnage violet, bleu-violet. Je sais pas trop quelle couleur. Et bah je trouve qu'elle fait trop cosplay, voilà. C'est pas... ça fait pas réaliste. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui font très stylé dans les Castlevania, qui font très... Bon. À l'époque on n'aurait jamais eu ce genre d'accoutrement, voilà, même si... parce que ça se passe toujours au 17e siècle, au 16e siècle, au 19e siècle... Enfin voilà. Et c'est vrai que les accoutrements qu'ils ont, généralement, ça fait... bah ça fait très japonais quand même. Ça fait pas... Mais ça passait quand même, ça passait, ça le faisait pas non plus... Ah, je trouvais que ça passait, alors que là, ça fait trop japonais, ça fait trop cosplay surtout, purée. Je dirais qu'elle porte un vieux cosplay. Autant je trouve que le personnage en lui-même, je le trouve bien fait, bien dessiné, mais... ses habits et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein, on dirait un cosplay. Japan Expo. Bon après c'est ce truc que j'ai trouvé bizarre. Sinon graphiquement il est plutôt propre le jeu. Bon, après moi je suis pas trop difficile. Je suis pas Jean-Kevin du 44 qui veut absolument de la 4K. Donc voilà le boss final. Oui je le dis enfin. Alors oui dans la première phase du boss final, même si là on est dans la deuxième phase, c'est magnifique. Dans la première phase du boss final, bah, ces attaques sont quasiment inévitables. Si on a de la chance, on peut l'avoir sans se faire toucher. Si on a de la chance, le problème c'est que beaucoup se jouent sur la RNG, sur la chance. Si le boss a une bonne RNG, hein, pas trop bâtarde, et, le problème c'est que... Bah, la plupart du temps, on se fait quand même pas mal bourrer. Et donc voilà, la technique, c'est tout simplement d'utiliser la magie du parpu, le bouclier, qui est bien cheaté, qui nous permet d'être invincible pendant un certain temps. Et dans le même temps, faire des dégâts. Un petit peu de dégâts, pas beaucoup. On fait à peu près, ouais, 2 de dégâts, alors qu'une attaque classique, on est dans les 7 de dégâts, à peu près. Enfin non, l'attaque du fouet, par exemple. Avec... Zanketsu. Donc je dirais que son épée c'est 5 de dégâts, donc voilà. C'est un youtubeur qui disait ça. Qui pouvait calculer à peu près les dégâts qu'on faisait sur certaines armes. Enfin sur toutes les armes même, il a pu calculer tout. Il a pu tout calculer déjà. C'est pas mal. Donc voilà, là... Qu'est-ce que je peux dire de plus, là c'est le boss final, il en impose parce que voilà, il a un grand sprite. Enfin, elle a un grand sprite. Bon, moi perso, bon, y a Hooper par exemple qui trouve que ce boss, il a un peu un design de merde.
Bon, je le trouve pas fou, hein. C'est vrai qu'il c'est beaucoup moins classe que d'affronter un Dracula, forcément. Mais je le trouve pas loupé. C'est quand même plutôt bien foutu. Alors voilà, la NES, évidemment, elle aurait jamais pu faire tourner ce truc-là. Autant d'animations en même temps, sur un grand sprite comme ça, c'est impossible. C'est là qu'on se dit que... Bon. Ça se veut un peu jeunesse, mais pas complètement. On est entre de la NES et de la Super NES, quoi. Avec les nombreux arrière-plans et tout, ça aurait été impossible de faire autant d'arrière-plans sur NES. On aurait au pire un petit ciel, quoi. Sur certains niveaux. Alors que là, on a carrément des arrière-plans qui bougent. Hein. Par exemple, dans le premier niveau, on a le train en arrière-plan qui bouge. C'est quand même assez fou. Alors voilà, bon, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire. Je pense que je vais vous remettre quand même la mini-phase speedrun là dans le stage 1. Pour vous expliquer un peu mon ressenti entre les deux gameplays, les deux différents gameplays que je vous ai déjà montré là en vidéo là il y a quelques jours. Voilà, par contre c'est préparé à l'arrache, hein. Je vais sélectionner la vidéo après. Et je vais pas couper le micro, j'ai la flemme de faire un montage de fou. Voilà, je vais juste mettre l'intro au début des speedruns et hop, c'est tout. C'est le seul truc qui fait montage. Alors voilà, succès, déverrouillé, bah parce que je l'avais jamais fini, hein, véritablement. Return to Turtle Screen. Donc voilà, alors je lance la deuxième vidéo. Elle est quelque part. Hein. Ah, de fiche. Ah bah celle-là. On va pouvoir mettre celle-là, celle que j'ai envoyée sur YouTube directement. Ah, je suis bête. Alors, vous allez rire, j'ai chargé l'image à la place, voilà, une image de la vidéo. Ouais, parce que, bon, faut savoir que sur Windows 10, entre l'image et les vidéos, c'est presque la même gueule niveau forme. Visuellement, donc c'est pas pratique. Voilà, donc là c'est la première partie, et quand je mets en normal et vétéran, donc je vais pas m'embêter à mettre pile poil en même temps, ça c'est plutôt un fond pour dire ce que j'ai à dire, voilà, sur mes procédés, enfin sur ce que j'ai pensé en speedrunnant vite fait quand même, speedrunnant vite fait ce petit jeu, ce petit bijou. Voilà, déjà entre les deux gameplays. Ah, déjà, le deuxième gameplay, il faut quand même le trouver. Hein. J'avoue que c'est en regardant un live de Hooper que j'ai su. Voilà. Ça, je l'ai fini dans mon coin, normalement, le jeu. Et puis après, je me suis demandé, mais attendez, ça me dit quelque chose, ce jeu-là. J'ai l'impression que Hooper, il avait fait un petit live dessus. Mais que j'ai pas pu regarder. Et oui, en effet, il a déjà fait un live depuis un petit moment, il y a 2 mois. Quasiment. Et du coup, forcément, il a été spoilé par le chat. Et il y a une possibilité, voilà, de déverrouiller. Enfin, possibilité, je veux dire, non, c'est possible. Qu'est-ce que je raconte? Il y a un deuxième gameplay, en fait, caché dans le jeu. C'est tout simplement... pour cela, il faut tuer nos compagnons. Avant de vraiment les rencontrer, hein, avant de leur parler, on voit leur skin, hop, on les bute. Après avoir battu les boss, quoi. Certains boss. Et comme ça nous permet de devenir machiavélique et méchant. Voilà, le méchant dans Zangetsu, attention. Le méchant vilain démon qui se forme et qui récupère les pouvoirs de ses compagnons. Enfin bon, les pouvoirs entre guillemets, parce que bon... d'où on récupère le double saut
En plus, c'est un double saut stylé, hein. Zangetsu, il fait un salto. Salto avant. Triple salto avant. Attention, s'il vous plaît. D'où on récupère ça par le biais d'un vieillard. Parce que moi, je m'attendais que le vieillard, ça soit, je sais pas, moi, un pouvoir magique. Donc. Après, pourquoi pas. Mais voilà, comment dire. Le troisième pouvoir, enfin, le premier pouvoir, il est pété, quand même. Hein. Voilà, c'est qu'on peut... on attaque d'une manière différente quand on saute. Et la hitbox est beaucoup plus grande de notre attaque. Elle est beaucoup plus large. Et elle prend un angle beaucoup plus élevé. En gros, on peut toucher un ennemi un peu de hauteur et aussi en dessous de Zangetsu. Donc c'est quand même assez efficace. Voilà, c'est le premier boss. Alors voilà, faut savoir que contre ce premier boss, si on se met complètement à gauche dès le départ, il nous attaque pas avec sa boule de feu. Il nous attaque pas au cac, quoi. Au corps à corps. Mais bon, ça, j'ai pas vraiment fait, parce que bof, le problème c'est que faut être assez rapide. Et puis j'ai préféré donner deux coups de fouet avant, pour bien l'entamer. Plutôt que de m'enfuir directement, donc je préfère donner deux coups de fouet, quitte à qu'il fasse son attaque et qu'il perde au moins qu'il perde 2 secondes. C'est pas dramatique non plus. Après, peut-être que plus tard, j'évoluerai forcément. Hein, il y aura plus de skills. Ah, là, forcément, c'est pas ma version finale. Hein. Là, j'ai mieux joué que ça. Lors de mon vrai speedrun, pour l'acte 1, c'est sûr. Il y a eu des erreurs, vous l'avez vu. J'ai pas pris énormément de temps à le faire. C'est pas comme Freedom Planet où là j'ai. Oh là là, j'ai passé énormément d'heures à peaufiner le bousin. Là c'est pas pareil, là j'ai mis. Franchement, honnêtement, pour l'acte 1, je l'ai refait que 5 fois, quoi, 4 fois. Même pas, je l'ai fait en une prise en Zangetsu normal, mais avec le gameplay assez complexe, je l'ai pris en 5 prises. Ah, c'est ça. Qu'une prise pour le premier, parce que je me suis dit, oh bah pour une première prise ça passe, allez. Ça passe quand même. Puis je vous avoue qu'en ce moment, j'avais pas trop le temps, un week-end assez surchargé, du coup j'avais fait ça vite fait. Raconter ma life, mais voilà. Un peu à l'arrache. Ah, attendez, par contre, je préfère regarder ce qui me reste en batterie parce que j'ai un peu peur. 16%, ça passe. Et parce que j'enregistre avec mon ordi portable parce que je suis pas chez moi. C'est plus compliqué l'enregistrer du coup. Et donc voilà, là c'est le gameplay, le deuxième gameplay. Donc là vous pourrez me dire, mais oui, mais oui, remplace pas, tu roules sur le jeu avec ce gameplay là, et c'est cheaté, t'as le double saut, ton attaque là de base là quand tu sautes, elle est overpower, plus grande hitbox, tu peux courir plus vite. Alors oui, il y en a beaucoup qui disaient que sur le chat de Hooper, et même Hooper lui-même, que cette technique que cette compétence est ridicule et ne sert pas à grand chose. Alors mais que nenni, on se dit ça la première fois, on se dit mais ouais bon, on court juste quoi, c'est génial. C'est un peu naze. Et finalement, on se rend compte quand même en jouant juste 20 minutes hein, avec cette course, que par la suite ça nous fait bizarre de plus jouer ainsi. Hein, de jouer juste en marchant. Et puis on remarque que, quand même, grâce à cette course, on peut sauter beaucoup plus loin. Et on est beaucoup plus vif. Certains ennemis qui allaient à la même vitesse que nous vont beaucoup moins vite que nous maintenant, grâce à cette vitesse fulgurante. Attention, c'est pas Sonic non plus, mais attention, le Zangetsu là, faut pas décoller. Bref, voilà, on est déjà au boss là. Enfin, moi en tout cas. Vous, je pense que vous serez un peu plus loin. Ouais.
Mais bref, voilà. Faut se dire que même avec tous ces... Voilà, j'ai pas fini ma phrase. C'est magnifique. Même avec toutes ces compétences, eh ben, il s'avère que, vu que on a plein de compétences, dans notre tête, on se dit « Oh purée, mais je peux faire ça, je peux prendre ce risque, je peux prendre plus de risques pour aller plus vite. » Et c'est ça, en fait, qui fait que le jeu est plus dur. Enfin, si vous le speedrunnez, hein, parce que si vous jouez en mode casual avec toutes ces compétences, alors oui, le jeu sera peut-être plus simple. Généralement, naturellement, on veut aller plus vite quand on a plein de compétences comme ça, et c'est comme ça qu'on perd plus souvent, voilà. C'est plus compliqué, finalement. Mais le jeu devient pas si simple que ça, avec toutes ces compétences. Alors si après, on maîtrise bien ses compétences, et qu'on speedrun pas le jeu, là, ça peut devenir plus simple. Mais si on veut maîtriser à 100% le level design du jeu, de tous les niveaux, avec ces compétences-là, c'est beaucoup plus hard que sans les compétences. Parce qu'on prend beaucoup de risques. Voilà. Ça, c'était le point important que je voulais dire. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout. Là, il va y avoir la partie avec les deux gameplay. Bon, moi, je vais laisser, je pense. Je vais mettre ça aussi. Avec la magnifique musique en fond. Qui vient de du prochain titre de Bloodstained. Bloodstained. Très bien. Après, en plus, je l'ai en fond d'écran le. Ah non, fiche, c'est mon PC portable. Non, je l'ai pas en fond d'écran. J'ai en fond d'écran sur mon PC fixe. Ce jeu. Il a tellement d'images magnifiques. Bref, voilà le thème principal que vous entendez en fond. Enfin, le thème principal, c'est l'un des thèmes qu'on entend aussi dans Bloodstained Curse of the Moon. Bloodstained? Ah, purée. Et à chaque fois, je galère. Pas possible. Pourtant, j'arrive bien à l'écrire, c'est fou. Mais ouais, le thème qu'on entend en fond, qui est remixé pour le nouveau jeu Castlevania Bis, voilà, je vais plutôt dire ça, ce sera plus simple. Qui sortira cet été, normalement. Je pense, sincèrement, je pense faire... Déjà, je pense que je prendrai la version PC, et je pense, en tout cas, si c'est que sur Steam, y a pas Ubisoft, c'est bon, je prends la version PC. Alors, parce que Ubisoft et le PC, c'est catastrophe. Bref, voilà, je pense faire une vidéo découverte sur ce jeu-là. Du vrai Bloodstained, et pas de la version 8-bit. Et en fait, la version 8-bit, c'est la suite. Et là, ça va être un préquel qu'on va avoir. D'après ce qu'ils ont dit. D'après ce que j'ai compris. À droite, à gauche. Et même en version 8-bit, ce thème-là est magnifique. Bah, moi, j'ai connu pour sa version 8-bit à la base, forcément. La plupart des gens, ils l'ont plus connu sur sa version orchestrale, entre guillemets. Parce que ils ont pas fait d'abord le jeu 8-bit. Hein, ceux qui ont fait des donations et tout à l'équipe qui fait Bloodstained, ils ont fait leur donation et en même temps ils ont eu le droit à l'OST, je suppose. Hein. Ou même ils ont regardé sur YouTube, alors que moi je ne connaissais pas du tout l'existence de ce jeu. Enfin voilà. Et puis par la suite ils ont eu la sortie de la version 8-bit et ils l'ont eu gratos parce qu'eux ils ont fait le don. Moi évidemment j'ai payé. Donc franchement pour 10€, franchement ça va. Hein. Il y a pas mal de contenu quand même, on est assez surpris, et une très très belle replay value, ça c'est beau. Et moi de toute façon, j'ai toujours adoré les Castlevania. Quoi. Que ça soit un jeu de plateforme action pure, ou Metroidvania. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
Voilà, le speedrun vient de se finir. Le mini run hein, de l'acte 1. Ben, ça passe assez vite. Déjà à 30 minutes, c'est magnifique. Moi qui voulais faire une vidéo de 16 minutes à peine, enfin, le temps du boss rush. Mais bref, voilà, j'ai toujours des trucs à dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait vachement plaisir de speedrunner un petit peu ce jeu-là. Et à l'avenir, hein, bon, ça sera pas tout de suite, hein, mais je pense que le speedrun, déjà le speedrun de Freedom Planet, hein, il va attendre, parce que bon, c'est... Il faut énormément de temps et de patience pour Freedom Planet, c'est très très dur à speedrunner ce jeu. Et sincèrement je pense que il sera fini dans 2 ans quoi. clairement avec parce qu'avec les autres contenus de la chaîne, qu'il faut tourner, la chaîne, tout ça, avec Super LOL Saga notamment, quelques vidéos tests là, il faut faire des rétro tests, faut déterrer les rétro tests. Bref voilà, tout ce contenu. Plus le fait aussi que je bosse à côté, hein, donc bon, je peux pas jouer non-stop, évidemment. Pour Freedom Planet, c'est compliqué. Faut beaucoup de temps et de patience. Alors que Bloomstasted, bon, il est dur à prononcer, il est plus dur que Freedom Planet à prononcer, mais par contre, il est plus simple à speedrunner. Beaucoup plus simple, car il a un gameplay assez carré. Bon voilà, sur ce, je vous dis... à la revoyure pour de nouvelles aventures et de la skill, il y en aura. Bon, pas dans Super LOL Saga. À la revoyure.